J'espère que vous allez bien, toujours qu'il faut aller bien. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement parce que j'ai craqué mon portefeuille. Et oui, je suis sujette à faire des achats nocturnes, donc pendant mon sommeil, j'achète des choses. Voilà, c'est ça d'être une accro du shopping. Et le pire c'est que maintenant avec l'iPhone, t'as juste à payer avec ton empreinte. Donc du coup j'achète en pleine nuit. Mais bon, au final, je suis plutôt contente. Donc j'ai passé commande où ? Sur un site que j'aime beaucoup. C'est Shein, un site chinois. Donc après, c'est un site où ça passe ou ça casse. Mais je commande depuis pas mal d'années quand même chez eux. Enfin, pratiquement depuis, je crois, le début, arrivé en France. Et honnêtement, je suis rarement déçue. Donc là, il y a deux articles que... Trois même. Trois que je suis pas top. Dont un, c'est sûr... Je ne pourrais rien en faire. Voilà. Donc, c'est parti pour ma sélection. Donc, l'avantage, c'est que j'ai eu l'idée d'acheter des robes. Hein. Donc, la première se trouve comme ceci. Donc, c'est une robe resserrée au niveau de la poitrine avec un énorme dos nu avec des tresses. Par contre, comme vous voyez ici, là, je sais pas, ça doit être fait exprès, mais bon c'est pas grave. Ça, je vais le couper pour que ça fasse un petit peu plus propre. Et puis sinon, en termes de longueur, elle arrive, vous voyez, pratiquement au mollet. Donc du coup, voilà, premier achat qui est plutôt pas mal. J'ai pas les prix en tête, du coup, ce que je vais faire, c'est que dans la barre d'infos, vous aurez tous les articles que je vais vous présenter avec les liens directement. Et en plus, des codes promo, parce qu'il y en a tout le temps... Tout le temps partout, et je crois que j'ai reçu un ou deux mails aujourd'hui. Donc voilà, premier article flop, c'est celui-ci. Donc vous me direz pourquoi flop, hein, elle a l'air plutôt jolie, comme ça. Ah oui. Sauf que déjà un flop au niveau de la matière, c'est vraiment de la matière trop plastique, tu vois, un plastique fluide, vraiment, tu vois. J'aime pas beaucoup, et en plus, ici, ça ressemble vraiment à rien. Enfin, je pense que je vais essayer quand même de la mettre avec une ceinture couleur camel ou or, essayer de voir qu'est-ce que ça peut donner, mais du coup, c'est vrai que ça amplifie mon ventre, alors que j'en ai pas, j'en ai un peu, mais j'en ai pas non plus des masses. Donc du coup, voilà, celle-là, j'ai été déçue à l'essayage, mais je vais essayer de l'accessoiriser avant de vraiment, je sais pas, la mettre sur Vinted pour 2-3 euros. Ensuite, une robe que j'ai adorée. C'est celle-ci. Elle est trop belle. Franchement, j'adore cette robe. Elle est hyper bien taillée. Et franchement, elle fait une silhouette de ouf. Une silhouette que j'ai pas. Donc, du coup, voilà. Et elle arrive juste au-dessus du genou. Le fait qu'elle soit pas droite, je trouve ça vraiment très joli. Et puis les petits boutons là, c'est vraiment sympa. En plus, on a reçu cette robe là avec deux boutons pour changer, ce qui est plutôt pas mal parce que les petits ne font pas ça. Donc du coup, voilà, bah, cette robe là, franchement, j'ai trop aimé. Et j'ai trop hâte d'être cet été, enfin dès qu'il fera beau, parce que là, il pleut. Hein. Je sais pas vous, mais chez nous, il pleut. Ensuite, une autre robe noire toute simple en matière... Hop, il y a des fils. En matière... Vous savez, comme les maillots de sport, un peu comme ça. Donc, une robe assez sportive que je mettrais du coup avec mes Adidas blanches. Je pense que ça fera super joli. Et pour le coup, celle-ci par rapport à l'autre, elle arrive juste au genou. Donc, vraiment, avec des baskets, ça va être juste canon, quoi. Je la trouve très belle. Et je ne sais pas si vous allez voir, la couture, elle part comme ça. Et du coup, ça marque vraiment bien... les hanches, et c'est super super joli. Ensuite, ah oui, je vois M, je vous ai pas dit, j'ai tout pris en M et je mesure 1m60, un truc comme ça. Et donc du coup, celle-ci que je trouve très estivale et très jolie avec un volant ici qui est vraiment léger, elle arrive juste au-dessus du genou. Le décolleté, il faut juste faire un petit point avec bah, voilà, un petit point de couture, parce que sinon tu montres tes nichons partout. Donc voici, moi cette robe là, franchement, je la trouve trop jolie. En plus, elle est en pleine plein de motifs différents. Et je me tâte à, tu vois, à peut-être reprendre ça correctement. Ensuite, nous avons un truc qui était joli sur le mannequin, hein, c'est ceci.
Mais là, ça ressemble pas à grand chose quand même. Hein. Donc du coup, je vais m'en servir en chemise de nuit, je pense. Quand mon mec est pas là. Parce que sinon, ça va pas être top. Mais ouais, la matière est hyper transparente. J'ai cassé mon ongle. Hyper transparente. Et puis ouais, non, je sais pas. Sur le mannequin, ça faisait super joli. Et là, c'est trop ample, il n'y a pas de forme. C'est vraiment pas top. Un t-shirt qui m'a fait énormément marrer. C'est celui-ci. Je l'ai trop aimé, quoi. Voilà. À dire des gros mots parce que c'est galère forcément pour cet oiseau-là de faire une marelle. Donc je l'ai trouvé vraiment très rigolo, je pense que je le mettrai au travail cet été. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé ce petit top. Ensuite, un débardeur tout simple. Alors ces débardeurs-là, je les commande régulièrement en fait. C'est des débardeurs en espèce de mousseline là. Et ils taillent toujours bien et ils sont toujours nickel. Donc du coup, j'en ai pris deux, un blanc, un noir. Pas dans le même. Bah, pas la même. Pas le même article quoi, mais ces matières-là, franchement, allez-y, les yeux fermés, c'est trop bien. Et donc du coup, le dos se trouve comme ceci. Donc reste à voir quel soutif je vais mettre avec ça parce que il descend vachement bas. Donc à voir comment est-ce que je pourrais faire ça. Mais il est trop beau, il est ample, il est vraiment super beau. Et bien sûr, bah doublé. Hein. Je reprends mon souffle parce que. Que je cours un marathon. Ensuite, une robe que je languissais d'acheter un jour, c'est celle-ci. Donc, c'est une robe longue jusqu'au pied. Il faudrait d'ailleurs que moi je fasse un petit ourlet parce que sinon je vais marcher dessus. Puis mettre une robe comme ça avec des talons, oui, en soirée, mais si tu veux en journée, c'est un peu bof quoi. L'avantage de cette robe-là, c'est qu'elle n'est pas fermée. Elle a des ouvertures, hop, ici. Sur les deux côtés, donc ça je trouve plutôt pas mal. Elle est transparente juste en dessous des seins avec une petite dentelle que ma foi pas trop cheap, hein. Franchement ça va. Et puis bah les bretelles sont réglables. Alors, ça par contre je trouvais ça super, donc c'est pour ça que je voulais vous en informer. Et pareil, celle-là elle existe en plein de motifs différents et je la trouve vraiment très bien. La matière est super agréable, j'ai hâte d'y être. Ensuite, une housse de coussin avec l'artiste Frida. Donc ça je l'ai pris parce que ma meilleure amie que je ne vois pas souvent est une grande fan de Frida. Et bah, là en ce moment ils ont plein d'articles à son effigie et j'ai trouvé vraiment cette housse super jolie. Donc par contre je la voyais un petit peu plus petite au niveau de la taille, donc j'ai pas de. Faut que j'achète un coussin à mettre dedans. Mais je trouve le motif plutôt sympa. Hop. Ensuite, un petit débardeur, comme ceci. Donc celui-là, franchement, j'avais un peu peur quand j'ai vu que j'avais acheté ça le lendemain. Mais en fait, maintenant, il est super joli. C'est de la vraie broderie. Il est doublé, donc il n'est pas transparent. Donc en double bretelle avec l'arrière, du coup. Pourquoi je ne l'ai pas mis sur ceinture? L'arrière comme ceci. Et franchement, il est trop beau, quoi. Trop joli. Donc, bah ouais, ça c'est pareil, c'est cool. Ensuite, dernier flop. Alors, c'est pas vraiment un flop, hein, mais c'est juste que la forme, du coup, ne me convient pas à ma morphologie. Donc, du coup, c'est ce petit t-shirt-là avec les manches tout en dentelle et puis le rappel sur la poche, qui est somme toute classique, hein, mais il est trop ample, en fait. Et vu qu'il a l'arrière un petit peu plus long que le devant, et ben, ça me. On dirait que je suis enceinte de 6 mois, quoi. Donc c'est pas hyper top quoi, je ne trouve pas exceptionnel. Mais c'est pas grave pour aller bosser, ça va être très bien. Ensuite, un petit haut, celui-là je l'avais dans ma wishlist depuis pas mal de temps. Et ben donc avec voilà, le bras passé dedans, hein, et donc ça retombe, il est vraiment très bien. Pareil en mousseline, il est doublé également. Pardon. Et du coup on a la même chose sur les deux côtés, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Je trouve l'ouverture. Ah! L'ouverture ici pour le bras en fait, le passage du bras, un petit peu large pour moi, mais du coup, c'est pas grave parce que ça ira beaucoup plus au rond nombre. J'aurais peut-être dû le prendre en S celui-ci. Mais bon. Plus que deux articles, cette jolie robe, comme ceci. Alors attendez. Hop, ça va être mieux comme ça, vous allez mieux voir.
Donc cette jolie robe comme ceci, avec des dentelles ici. Petit bémol, c'est qu'elle est déchirée ici. Enfin, elle est déchirée, elle est décousue. Et vu que bon, j'ai largement ce qu'il faut pour coudre chez moi, c'est pas grave, je vais la recoudre. Et en plus, elle me va super bien. Heureusement, il y a une fermeture éclair derrière parce que t'es cintrée là-dedans. Donc du coup, voilà, cette robe-là qui est hyper dure à vous montrer comme il faut, et ben je la trouve top. Et enfin, dernier article. Donc c'est encore un long sleeve. Et donc, voilà, il est assez long. Vraiment assez long. Et en plus, bah, l'arrière, il est canon, quoi. Ah, par contre, c'est super froid à mettre. Je l'ai testé cette nuit. Il fait un peu froid, quoi. Mais en été, ça peut être agréable. Par contre, bah, t'as intérêt à mettre de la crème, hein, parce que sinon, tu vas être rayé dans le dos. Mais bon, en termes de bronzage, il est un petit peu transparent. Je sais pas si vous allez bien voir. Ou bien mettre un sous-vêtement couleur chair en dessous. Donc voici. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite forcément à mettre des pouces en l'air, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires bien évidemment, puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, enfin si le cœur vous en dit, il n'y a aucune obligation. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.